She's just discovered the news. Et on continue d'opposer économie et écologie. If you want to be a sprinter, you have to be powerful. C'est le régime qui a entraîné le développement de l'extrémisme. Je vous dis, vous êtes un escroc. Elle me trouvait à la fois insultant et vulgaire, Nadine Morano. Pour que des générations futures retrouvent un patrimoine qui soit utilisable. La place. Et après, il faut payer les factures. Et comment vous allez payer? Avec quoi? Ninja Pony. Conçu pour tourner sur une machine mythique des années 90, la Neo Geo, considérée par les connaisseurs comme la Rolls des consoles de jeux. Vous avez remarqué? Bizarrement, cet homme qui tombe fait exactement le même bruit que lui, ou lui, ou encore lui. Le problème, c'est que les structures de la centrale sont fissurées. L'eau déversée s'infiltre en permanence dans les sous-sols. Et si le vote confirme les bons sondages de Obama dans l'Ohio, le démocrate passe à 261 à seulement 9 grands électeurs de la victoire. Gagner son pari contre son parti en disant non à la Constitution européenne. Claquer la porte d'un PS trop centriste, se positionner comme troisième homme de la présidentielle et finir quatrième, avoir 61 ans, être Jean-Luc Mélenchon. Et puis, tant qu'à faire, la NSA en profite pour jeter un œil aux pratiques de Kevin sur Internet. Elle puise pour cela dans le vaste stock de métadonnées qu'elle a interceptées et stockées grâce à l'Upstream. En 1950, le nombre de taxis a été fixé à 11 000 dans la capitale française, Paris. Ce chiffre passe à 14 000 en 1980, puis en 2013, on dénombre 16 623 taxis. Et c'est un petit peu l'objet de ce dessin où finalement, Christiane Taubira, elle est évidemment mal en point devant ces gens qui s'expriment de plus en plus et qui disent n'importe quoi. On l'a vu avec l'affaire des bananes. Le nord du pays est traversé à la fois par le Sahel et le Sahara. Évidemment, on peut aussi parler de nombres palindromiques, comme 414, 336 563 et ainsi de suite. C'est un peu comme si, sans jugement de valeur d'ailleurs de ma part, c'est un peu comme si chez nous, Luc Besson adaptait Proust.